Je n'aime pas la lâcheté. Et puis, il faut, c'est une grâce de lâche. Tu m'as traité de laide. Ok. Mais toi, tous les gens qui te noquent cela, tu veux qu'on en parle? Quand on t'a accusé ici d'avoir cassé le bonbon, là, son âme de l'artiste acharné, tu es venu pleurer ici, non? Qu'est-ce que tu as fait? Il faut que les gens voient que ce gars attaque toujours les gens quand ils sont par terre. Il y a un artiste qui meurt qui s'appelle Achale. Il ne connaît pas. Il dit qu'il était le manager et tout. Un artiste qui l'a récupéré comme ça. La mère est en train de pleurer l'enfant. Il sort sur les réseaux sociaux, insulter la maman. Je vous fais écouter. Alors qu'on l'accusait que c'est lui qui a pris l'enfant par derrière et ça s'est mal passé. Écoutez ça. Voici la mère d'Achale. Là, elle était encore assise en train de pleurer son enfant. C'est un artiste. Écoutez. Ça, je ne vais pas te la montrer. Qu'est-ce qui se passe? Il attaque carrément la mère d'Achale. Sa femme, la dame est en train de pleurer son fils. Dieu merci, la dame l'a répondu. Écoutez ce qu'il dit de la mère d'Achale. Quand on vous dit que ce monsieur est méchant, il n'est pas à la première attaque. Et il va attaquer la dame à la radio. À la radio. Une femme qui vient de perdre son enfant, son unique fils. Qu'on accuse qu'on lui a cassé le bonbon. Ça l'a tué. On t'a accusé, toi, Pifo, d'avoir participé à casser le bonbon de cet enfant. Tu as beaucoup de casseroles derrière ton truc, derrière ton armoire. Mais c'est toi qui donnes les leçons aux gens. Tu vas attaquer la dame pour contrecarrer ce qui se passait à la radio. Elle t'a répondu. Écoutons. Je viens remuer la plaie. Je mets le couteau dans la plaie. N'attendez que. Écoutez. Comment expliquez-vous qu'une femme qui soit rentrée, une femme de 40 ans révolue, prend son courage, se met devant des caméras et expose sale le cadavre de son fils? Non. Écoutez comment il parle d'une mère qui vient de perdre son seul enfant. Il dit que cette mère a sali le cadavre de son propre fils. Vous croyez que Pifola, il a tout? Ce monsieur, c'est lui, il peut donner les leçons à qui? Il peut donner les leçons à qui? Quelqu'un qu'on a accusé d'avoir cassé le bonbon. Pour camoufler tout, il sort la mère de tout. Une femme qui vient de perdre un enfant. Il va la salir à la radio. Dieu merci, la femme a répondu. Écoutons. Il dit que c'est sa maman parce que c'est elle qui l'a mise au monde. C'est tout ce qu'il lui connaît. C'est tout ce qu'il connaît. C'est-à-dire que quelqu'un vient de perdre un enfant. Tu te permets d'aller l'insulter à la radio. Vous croyez que Pifola, il peut parler à quelqu'un? C'est un méchant aigri. Et je vous dis que tous vous allez passer. C'est un ordre de vérité. Cette femme qui vient remuer la plaie, remuer le couteau dans la plaie, n'attendez que. Comment trouvez-vous, comment expliquez-vous qu'une femme qui soit rendue, une femme de 40 ans révolue, prend son courage, se met devant des caméras et expose salue au cadavre de son fils? Écoutez les conneries. Bon. Je suis la maman d'Yachal. Écoutez. C'est un monsieur là, qui s'appelle Robin, qui dit que c'est lui le manager de Achale. Bon, je vais lui demander, Achale est mort. Qu'est-ce qu'il veut manager encore? Il vient se montrer ici à YouTube pour parler contre moi, parler contre ma famille. Qu'est-ce qu'il veut manager encore? Vous le regardez? Depuis qu'Achale a commencé la musique, ça fait plus de 15 ans. Il était où? Un opportuniste, un bandit. Il se lève pour dire qu'il est manager de Achale. Les aventuriers comme ça. Ah maman, c'est un bandit maman. Je te dis. C'est ça. Ah maman, il faut parler de. Voilà une maman qui vient de faire son enfant. Le gars est en train de la mener sur les réseaux sociaux à parler. Le 7, 18. Puis il est mané à Chalet. Il a tout bouffé. Il a tout bouffé. Écoutez, un bandit. Ah maman. Asia. Ah, je te dis maman. Que mon enfant ne me connaît pas. Vous écoutez ça? Quel mensonge. Quel mensonge. Écoutez. Toujours. Achale est parti. C'est moi qui laisse avec les douleurs.
C'est ça, maman. C'est ça. Je cherche un autre artiste. Pour voler. Ils ont trouvé un manager parce que c'est un manager pendu. Maman, merci. On n'a pas fait attention à cette mission. Ah, maman, nous on sait ça depuis des. Mais je ne voulais pas parler, mais je dois parler parce que ça me fait mal au cœur. Maman, il faut parler. Ça me fait vraiment mal au cœur. Mm-hmm. Et c'est lui qu'on a jamais. Depuis au stade de demain là, au concours de musique là, toutes les compétitions qu'elle allait passer, c'est lui qui il était là-bas. C'est ça? Vous les demandez, il était là-bas. Il vient ouvrir aujourd'hui sa grande gueule. Regarde le chapeau là qu'il a porté. C'est les Chanamari au Cameroun qui portent des berettes. C'est ça? Il porte le chapeau d'une femme. La mère d'Achale dit que il faut porter le chapeau d'une femme. Quand il dit que c'est la pifette, vous discutez, non? On a vu ça depuis. Ça, c'est il y a 7 ans. Et il dit qu'il porte le chapeau des femmes. C'était moi. C'était quand tu es parti casser les bonbons là-bas. C'est venu nous trouver. Voilà ça. C'est la mère qui dit que tu portes le chapeau d'une femme. J'étais là. À l'époque, quand tu te maquillais là, avec les talons et tout là, j'étais là. Voilà les chapeaux de. On t'attrape avec les chapeaux des femmes sur la tête. J'étais là. Quand tu partais te changer en femme là, j'étais là. On t'a attrapé. On t'a attrapé. On t'a attrapé en train de te changer les habits pour être une femme. L'histoire que tu es parti faire en Côte d'Ivoire là, que tu marchais avec ta petite ticamère là, c'était juste pour cacher les choses. Nous on connaît que ton derrière là, c'est les couches. C'est les couches. Le derrière est déjà cisaillé par les gens de Douala. La plus grosse bordée de doigts là. On a déjà passé ça là-bas, on fait à repasser. C'est sur Shakiro que tu sors tes oreilles. Dès qu'il y a petit, tu sors les oreilles. Hein, vraiment, Shakiro nous souille. Shakiro souille quoi. La mère d'Achale dit que tu portais les chapeaux des femmes. Il y a 7 ans. On ne parle pas d'aujourd'hui. Il y a 7 ans, tu portais les chapeaux des gars. Il y a 7 ans. C'est le nom de Shakiro qui est sucré dans ta bouche. Vieille rombière. Tu crois qu'on ne sait pas que ton derrière est repassé? C'est pour ça que tu livres les enfants des gens à Douala. Tu crois qu'on est pas au courant? Tu livres les petits-enfants des gens à Douala. Hein? Qui t'a parlé? Les enfants, les gens que tu livres partout. Continue à donner vos enfants à Pifo. Il faut contrôler les derrière de vos enfants qui marchent avec Pifo là. Comme on a détruit son derrière depuis 7 ans là, il est toujours là à vouloir amener les enfants des autres dans ça pour les détruire. C'est quand ça a cuit, tu l'as fait d'achat et qu'on t'a accusé que tu faisais partie des gens qui ont cassé le bonbon à l'enfant. La mère a dit que son enfant a eu les points. On va écouter comment elle dit que chacun doit suivre son enfant. Parce que l'enfant meurt du cassage de bonbons. Et tu en faisais partie. On t'a accusé ici, tu as pleuré ici, la fatigué. Tu crois que le dossier est clos? Tu crois que tu es un gros partouzeur comme ça là? Tu casses le bonbon des enfants, à Douala on ne parle pas. Tu crois que parce qu'on a peur de toi? C'est quand c'est Shakiro, tu sors tes muscles. Ton derrière là, il faut. Fais le devis de ton derrière, tu montres, on voit. Si tu es garçon, va, tu pars à l'hôpital, le docteur contrôle, on met le doigt. Tu nous montres l'examen, on voit. Le derrière là, fini, terminé. Un derrière en morceaux de bois. Et les petits fesses comme ça là. Les petits fesses, on dirait les petites mangues. On a fini de nettoyer ça. Et c'est toi qui es ici à parler à tout le monde. Petit, tu as sorti ta large bouche pour parler. Qui borde à Douala plus que toi? On a attrapé les Shakiro parce que les Shakiro montraient. Toi, tu bordes en cachette. Qui borde dans la ville de Douala plus que toi? Pifette. Qui borde dans la ville de Douala plus que toi? Si tu es garçon, montre ton derrière. On dirait des mangues, on a appuyé sa propre. Qui borde à Douala plus que toi? Tes petits fesses que tu donnes partout là pour avoir les contrats là. Tu vois qu'on n'est pas au courant? Hein? Donc c'est toi celui qui connais donner les contrats aux gens. Pourquoi on ne donne pas aux autres? Parce que ton derrière est bien repassé par ces gens-là. Qui borde à Douala plus que toi? Quand c'était Shakiro, tu sortais tes muscles. Oui, elle a raison. Shakiro, parce qu'elle montrait. Ta borderie dépasse pour Shakiro. La borderie que tu fais à Douala dépasse pour Shakiro. Parce qu'on te donne le contrat là parce que tu es trop fort. Tu es fort plus que qui? Parce qu'on repasse bien ton derrière, c'est tout. On repasse propre et on te donne. C'est tout. Tu bordes plus que Shakiro. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Ta borderie dépasse sur Shakiro. Il n'y a pas quelqu'un qui borde à Douala plus que toi. J'ai dit que tes petits fesses comme les mangues là. On a bien repassé ça. Une chouin comme ça là. Tu crois que tu es qui? Quoi, elle est laide. Même si je suis laide, je vais sortir avec toi. Et c'est moi, je suis avec les gens que on a fini de repasser le derrière. Non. Si je suis avec les mecs, les vrais mecs debout. Qui ont le tout posé. Tes fesses qui sont comme les mangues, on va commencer par où? Même tes fesses là, ma petite mangue si entre, ça prend tes petites fesses là. Mes petites mangues là, ça peut arrêter toutes tes deux fesses à main. Je fais quoi avec ça? Ma petite mangue si ça peut arrêter tes petites deux fesses qui sont comme les mangues là. Je vais partir avec toi où? C'est que même si je veux le Joe, c'est toi. C'est toi. Avec ton derrière qui a repassé comme les mangues là, qu'on a tout pris le jus là. Tellement que tu as bordé dans la ville de Douala.
T'as fini de border dans toute la ville de Douala. Il veut faire quoi avec toi?